ready for the next part of the Banshee Queen of Cork? Yeah, so it's going to be part four now. Do you remember who they are? Yes, I'm sure. This is Onya, yes, and Fionn, and the Banshee, and the Bat. Great. So if you remember well, the story is taking place in what country? Ireland, yes, and more precisely here around Cork. Two heroes, the MAC agents, okay, they have like supernatural powers. Among them are that Onya can talk to animals. She can talk to animals. Elle peut parler aux animaux. Fionn, quant à lui, il a le pouvoir de récolter des informations en mordant son pouce. C'est assez étrange, mais c'est un pouvoir. Et bien sûr, tous les deux, ils ont le pouvoir de travailler. Qu'est-ce que je dis? De travel, voyager à travers les miroirs. Et donc ça leur est bien utile quand une créature s'échappe du monde qu'ils appellent le monde, l'autre monde, the other world, puisque ça leur permet de rattraper ces créatures qui se sont sauvées. Et donc dans cet extrait, on se rappelle que la créature qui s'est sauvée, c'est la Banshee. Petit challenge à ne pas oublier, repérer les notes de musique tout au long de l'histoire. Et ensuite, à la fin, quand on aura fini l'histoire, me faire une petite liste de où est-ce qu'on a trouvé toutes ces notes de musique. Il y en a... Combien 10, 10, right? Donc la Banshee est arrivée en plein milieu d'un concert de rock. Elle a étourdi un petit peu tout le monde, elle a crié très fort, puis elle s'est enfuie, n'est-ce pas? Les deux agents sont arrivés, mais un petit peu tard. Du coup, depuis la partie 1, eh bien, ils lui courent un petit peu après, voilà. Heureusement qu'ils ont l'aide de différents animaux pour savoir où est passée la Banshee. La chauve-souris leur a indiqué qu'ils étaient... Donc, qu'elle s'était rendue à un Travelgan Holiday Camp, mais une fois arrivée à Travelgan... Eh bien, il ne restait plus que le magicien avec ses lunettes cassées, puisque la Banshee était déjà partie. Et elle se rendait au parc animalier, the Wildlife Park. Une fois arrivée au parc, les animaux étaient en train de s'enfuir. Et la Banshee, dès qu'elle a vu les deux agents arriver, elle s'est enfuie. All right? You remember those animals? The giraffe, the zebras. Remember this one? The cheetah, yeah. And this one. It's a monkey, right? Here you can see two peacocks. And the Banshee. She is screaming. And the next destination of the Banshee, according to the peacock, is... Blarney Castle. And here again, people are running everywhere, scared of the Banshee. Okay, and the fish. The fish here, do you remember what they said? They said they liked the Banshee scream. Vous rappelez? Les poissons avaient plutôt apprécié apparemment le cri de la Banshee. Et donc, on est prêt à passer à la suite. Donc, je reprends à la dernière phrase de la partie 3. Look, there she is. Elle est là. There she is. At the top of the castle, there was a large hall just underneath the battlements with bars across it, and they could see Cleina through the bars. She was hanging upside down into the hall. Her long pale hair blew in the wind as she kissed part of the wall. As the children ran into the castle, Fionn bit his thumb looking for information about the place.
Donc elle est dans une position un petit peu étrange, cette Banshee. C'est pour ça que Fionn se mord le pouce pour savoir pourquoi elle fait ça et pour avoir des informations sur l'endroit, sur le château. The Blarney Stone is up there. It's built into the castle wall, he said as they raced up the steps. People hang backwards of a ledge to kiss it. They say it can make you eloquent. Eloquent? Do you know what eloquent means? Éloquent en français? Vous savez ce que ça veut dire? Onya, elle ne le sait pas. Oh, what does eloquent mean? Onya panted, following the narrow, twisting stairs. Elle est essoufflée. What does it mean? What does eloquent mean? It means you're good, you're really good at talking, he replied. And why is a banshee worried about being good at talking? Onya asked, sighing. So, eloquent means you're really good at talking. Talking, parler. Donc l'éloquence, c'est le fait de parler, de bien parler. Et cette banshee, apparemment, c'est ce qu'elle voudrait faire. Et donc, d'un seul coup, Fionn semble s'arrêter. What's that? Qu'est-ce que c'est? He was looking up at the light at the top of the steep, narrow staircase. The light, la lumière. He turned around suddenly, blocking Onya's way up the stairs. Get back! He shouted at her. Get back now! Cleon stood at the top of the stairs, glaring down at them. She took a deep breath and screamed. The screech blasted down the right stone tunnel. It hit Fionn and Onya like an ocean wave. Fionn was blocking Onya, and he took the worst of it. It knocked them both backwards down the stairs. Donc nos deux héros dégringolent les escaliers, comme on le dit ici. They fell, bouncing painfully down the stone steps. Onya managed to stop them before they fell too far. Fionn groaned, holding his head. Ouch! He was stunned, hardly able to move. Onya tried to stand up and found Cleona standing on the steps just above them, or just above her. The banshee was looking down at her. Stop! Onya snapped. Cleona, wait! The banshee looked like she was about to scream again. But she stopped. The Blarney Stone didn't work, she said. I'm still the same. It's only meant to make you better at talking, Onya told her. And I don't think it works on banshees. I know why you came here now. From the other world. You didn't want to scare people, did you? And you didn't want to be queen again. Donc c'est la première fois qu'ils réussissent à parler à la banshee sans qu'elle se mette à crier et qu'elle parte. Finalement, elle n'a pas l'air si méchante que ça. Elle se plaint simplement et elle dit que la pierre, le pouvoir de la pierre, n'a pas marché sur elle. It didn't work. I'm still the same. Donc elle est toujours la même. Elle n'a pas l'impression d'avoir changé. Onya est en train de comprendre certaines choses. You didn't want to scare people, did you? Tu ne voulais pas effrayer les gens. And you didn't want to be queen again. Et tu ne voulais pas non plus être à nouveau reine. Non, alors qu'est-ce qu'elle voulait? Cleona shook her head miserably. Oh yeah, I get it now, Fionn said, sitting up as he rubbed his sore head. You're not screaming. You're singing, Onya said. You just want people to listen to you sing. You want an audience. But nobody wants to listen, Cleona cried, holding up her arms. They'll just run away. I think I have the answer, Onya said. But
win it to get back to the sea. Donc, est-ce que vous avez compris ce qu'elle veut? En fait, elle ne crie pas. Elle, singing, elle chante. Et elle veut une audience, elle veut un public. Sauf que son public n'a pas l'air très réceptif. Comme elle le dit, nobody wants to listen, personne ne l'écoute. Tout le monde part en courant. Et Onye, juste à la fin, dit qu'elle a peut-être la answer, la réponse, la solution. But we need to get back to the sea. What is the sea in French? You'll look for it. You'll look for it for next time because we're going to stop here for part 4. And next time we will read part 5 and it will be the end of the story.